Ils sont tendus et visibles lors des conférences, des événements de grande envergure, assis dans les cabinets au fond des salles. Ce sont les interprètes et les traducteurs qui facilitent la compréhension des messages au cours d'une prise de parole. Comme dans d'autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a mis en lumière ces hommes de l'art de l'oralité le jeudi 29 septembre 2022, à l'occasion de la Journée internationale de la tradition et de l'interprétation, qui est à sa 7e édition cette année. Nous l'avons mis en place parce que nous avions pour vocation et envie de construire un marché pour que tout le monde puisse travailler et réussir. On est très content de pouvoir faire ça parce qu'il ne faudrait pas que les interprètes et traducteurs travaillent en vase clos, il faut qu'ils appartiennent à un monde. Cette journée, vouée longtemps à l'été noir, tente le virage de la professionnalisation dans le contexte de la normalisation économique sous le thème « Création d'un écosystème des métiers de langue et de voix, de l'informel à la professionnalisation ». Une journée encouragée par des professionnels. Mais c'est d'aller au cran, à l'étape supérieure, de devenir meilleure, excellente. C'est le message que je voudrais laisser à la GTC, mais à vous aussi, en tant que personne même, dans vos métiers, dans vos quêtes, dans votre désir d'aller plus loin dans la vie. Nous sommes dans ce métier pour aller from good to great. Et des cadres d'échange et de concertation tels que la GTC ne sont que bienvenus. Vous savez, nous parlons d'une profession qui est en réalité plus présente dans notre quotidien qu'on ne le pense. À cette occasion de la célébration des langues et des voix, des valeurs du métier, entre autres la ponctualité et le don de soi, ont été encouragées. Pour ce faire, des distinctions honorifiques ont été observées. Ainsi, la plus ponctuelle de la journée repart avec un écran plasma et le plus serviable avec un billet d'avion, une véritable source de satisfaction pour les lauréats. Un sentiment de joie, de reconnaissance, de gratitude vers la GTC, l'entreprise Conférence Traduction, envers tous ces partenaires qui ont bien voulu nous aider à travers ce prix. Je ne voulais pas venir, mais après, je me suis réveillée à 5h30 et je suis venue. Quand je suis arrivée, j'ai vu deux personnes. Donc je me suis dit, ah, bon, je dois suivre, je vais suivre. Voilà. Mais à ma grande surprise, on m'appelle pour me dire que c'est moi qui ai été retenue pour le premier lot. Franchement, trop de joie. Cette journée qui a rassemblé du beau monde est une véritable satisfaction pour les participants. Il faut dire que c'est une grande satisfaction pour moi parce que je suis passé de l'informel au formel. C'est vraiment très très inspirant, très intéressant. C'est la salle Yamsokro Ballroom de Radisson Blue Hotel qui a accueilli cette 7e édition de la Journée internationale de la tradition de l'interprétation de Côte d'Ivoire. La prochaine édition est prévue pour le 29 septembre 2023.